just ain't feeling right. You're losing ground in a pillow fight. You're missing sleep and it's all because of me. Hello people! Hey, plus tôt cette semaine, vous avez été plusieurs à nous avouer que vous aussi, vous avez eu mal aux gosses, même les filles, quand vous avez vu nos images des fameuses Cliffs of Moher. Fait qu'aujourd'hui, on est là pour vous dire d'attacher vos shorts avec la broche parce que vous risquez d'avoir trois fois plus mal. En fait, aujourd'hui, on est au Sleeve League Cliffs. Pis ces cliffs-là, elles sont parmi les plus hautes de l'Europe et elles sont trois fois plus hautes que les Cliffs of Moher. Cliffs of Moher qui faisait à peu près 215 mètres. Pis... ici, le point le plus haut fait environ 600 quelques mètres. Fait que ça vous donne une idée à quel point on va être haut en tabarouette. Comme moi, je trouvais ça haut là-bas. Là. Oui, ouais, ça va être haut. J'ai hâte de voir. Puis on est ici particulièrement parce que j'avais fait un post dans les Instagram Stories. Puis on avait demandé pour les gens qui étaient déjà venus en Irlande, c'était quoi leur numéro 1, leur top numéro 1 d'activités qu'ils ont faites pendant qu'ils étaient en voyage ici. Puis vous êtes nombreux à nous avoir dit les ici. Sleeve League Cliffs. Je laisse toujours Alex le dire parce que je sais pas quoi. On s'en va-tu voir ça? Oui, je suis comme curse. Hey, là, ils vantent énormément. Fait que j'ai sorti Mathieu. Moi, je risque de perdre ma casquette. Holy moly! Ça, c'était du vent. J'ai jamais été pris dans une tempête comme ça, là. Comme ça l'a changé, là. De même, là. C'était super beau. Puis là, on a fait, hey, on va monter. Puis là, c'est là, oh, ils ventent. Mais là, à un moment donné, là, on pouvait genre juste plus comme monter, là. On était accroupi à terre. Alex, là. Il m'a regardé, puis j'ai vu la terreur dans tes yeux. J'ai fait, oh, vire de bord! Je m'excuse, je t'ai pas attendu. Mais non, tout est parti, là, ta mission, je sais pas de quoi. Moi, j'ai resté pognée dans le vent. Je suis comme tellement pognée qu'à un moment donné, le vent me poussait à terre, puis là, je pouvais plus me relever. Mais en tout cas, c'est ça. Au moins, on les a vus au début. Honnêtement, c'est vraiment gros. C'est très différent en termes de perspective comparativement aux Cliffs of Moher, parce qu'on se sent pas autant sur le bord, mais tu peux quand même te rapprocher à certains endroits, surtout quand tu montes quand même assez haut. Mais c'est ça, c'est immense. C'est ça, c'est que tu vois moins à quel point t'es haut, genre t'es trop comme dessus. Mais c'est haut. Mais c'est haut. Mais tant mieux là, que ça, le chemin soit loin du bord, parce que là, sont hautes, puis ça serait vraiment dangereux si le chemin était vraiment proche. Mais le petit chemin qu'on n'a pas pu se rendre, là, il est quand même, moi je trouve qu'il est quand même sécuritaire. Là. Heureusement, le vent nous poussait dans la direction opposée. Oui. Que le précipice. C'est ça. Mais en tout cas, là, je sais que s'il m'arrive un problème, toi, tu t'en vas loin, puis tu t'en fous. Ah, oh, là, t'exagères, Marie-Josée. Là, t'exagères. Mange ta pomme, on s'en va. Bon, BMG, une autre journée forte en émotions qui se termine. Oui, aucun blessé à l'horizon. Aucun blessé, on a survécu. On était un peu mouillé, mais c'est ça qui est ça. Mais check, ça fait des beaux cheveux. Ça t'a donné des curls. On dirait que j'ai travaillé super fort pour faire mes cheveux, mais non! Là, on vient d'arriver à Letterkenny. On va être ici pendant trois nuits. Ça va faire du bien. On va pouvoir se poser un petit peu. Relaxer un petit peu. Puis ici, il y a une cuisine qu'on a le droit d'utiliser. Fait que ça, c'est le fun. On va pouvoir cuisiner sans avoir à aller au resto. Fait que ça va coûter moins cher. Ça va coûter moins cher, ça va être mieux. Check-in notre chambre. Bureau, Netflix, une porte. Ça, c'est une fenêtre. Fait que c'est ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de room tour. Ouais, fait que vous avez tout vu. Ben c'est ça, c'était le lit puis ça c'était l'autre bord. Fait que guys, on se laisse là-dessus. Laissez un like sur la vidéo sur notre page si c'est pas déjà fait. Et dans les commentaires, dites-nous si ça vous est déjà arrivé d'être pogné dans une tempête. Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut!
fait du drone, puis là, il vient de se mettre à mouiller hard. Okay, il va falloir aller le chercher parce que moi, je suis stock ici. Es-tu mouillé? Un peu, là. Il a pogné... Oh non, mon manteau est pris. Il a pogné la pluie. Il a pogné la pluie. On va espérer qu'il va encore marcher. Oui, il va marcher. Faites fort, ces petites affaires-là. On va le mettre dans du riz.